Alors que l'on ignore encore s'il y aura une édition 2022 de la Braderie de Lille, on sait déjà qu'elle ne sera pas précédée par le traditionnel semi-marathon. Les célèbres 21 km de la moule frite ont été décalés au mois de février, ont annoncé nos confrères de la Voix du Nord. Entre attentats et épidémie de coronavirus, le plus grand vide-grenier d'Europe aura perdu des plumes ces dernières années. Après avoir dû réduire son périmètre en 2017, après avoir été annulé en 2020 et en 2021, la braderie de Lille perd aujourd'hui la course à pied qui ouvrait traditionnellement les festivités depuis les années 1980. Pour autant, l'épreuve aura tout de même lieu, mais bien en amont de la braderie. La Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France a déjà arrêté une date, fixée au 27 février prochain. On passe donc d'une course de fin d'été à une course de plein hiver. Pas sûr que les participants auront toujours autant de goût à se déguiser comme ils avaient pris l'habitude de le faire.